Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui parmi nous, Madame Leïla, Merci, pour animer merci beaucoup. notre premier atelier cette année. En fait, je suis très heureuse puisque j'ai l'honneur de présider un club assez fantastique qui a une très bonne réputation comme élite. Et par l'occasion, je tiens à remercier l'ex-présidente Jihan Hokin. Qui a supporté à terme de fantastiques événements l'année dernière, des ateliers et des séminaires vraiment à la hauteur. Cette année, j'aborde ma présidence dans un esprit, pardon, de consolidation. J'ai déjà à mes côtés une équipe dont j'ai vraiment confiance. Et déjà, chapeau bas pour eux, pour leur engagement et le temps qu'ils accordent pour cet atelier. Donc, bienvenue à tous. Toutes les personnes qui ont voulu assister aujourd'hui à notre premier atelier qui a comme thématique surmonter la peur de l'abandon, un sujet très très important pour toute personne qui a pour toute personne pardon, à n'importe quelle tranche d'âge. Donc pour commencer, je donne la parole tout d'abord à Madame Leïla pour partager avec nous l'ensemble de ses connaissances et son point de vue à propos de cette thématique. Merci pour votre invitation qui m'enchante énormément. M'enchante parce que de là, c'est vous, la jeunesse, cette jeune génération, l'espoir du Maroc, qui me fait plaisir de vous intéresser à plusieurs sujets, sur plusieurs sujets. Vous êtes un groupe et je vous félicite pour le travail que vous faites et le travail que vous ferez prochainement. Notre sujet, c'est la peur de l'abandon, qui est une angoisse. Et c'est l'angoisse qu'on va trouver chez beaucoup de personnes, une grande partie des gens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est lié à la peur de l'abandon, qui est lié à notre enfance en général. C'est une angoisse qui est énormément liée à l'enfance pendant, je vais dire, même pendant les 3 premières années où la maman ou la personne qui symbolise la mère, gagnerait à ne pas se séparer de cet enfant et à rester le plus proche de lui afin qu'il puisse construire et se construire ce qu'on appelle l'attachement. C'est cette partie qui va déterminer est-ce qu'on va vivre un complexe d'abandon, un problème au niveau de l'abandon ou pas. Lorsque la maman part et vient, petit moment, c'est bien, pendant ces 15 premiers mois environ. Si elle part un long moment, c'est assez déconseillé. Il y a des événements de la vie qui font que parfois les mamans vont partir pour quelques jours, un décès par exemple ou autre chose, et qui font que ce bébé-là va avoir une coupure comme un petit traumatisme sans explication avec cette maman et que là pourrait ou pas développer ce que l'on appelle le complexe d'abandon. Chacun, nous naissons avec notre hérédité, plus nos fragilités de naissance, qui font faire que face à certaines situations, nous allons être plus fragiles ou plus forts que certains. Ce n'est pas un plus un, c'est ne fait pas deux. Il y a des personnes, par peur de l'abandon, ne vont pas vouloir rentrer en relation avec les autres, soit amicale, soit amoureuse, parce qu'ils ont peur de souffrir. Par peur de souffrir, ils vont avoir ce comportement qui va leur nuire, parce que nous sommes des êtres sociaux, parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous gagnons à être en société, nous gagnons à avoir des relations sociales. Le contraire, ne pas avoir de relations sociales serait problématique. Une peur d'abandon, une angoisse d'abandon qui est assez profonde, va se répercuter et développer d'autres angoisses. C'est-à-dire, j'ai peur d'être abandonnée, donc je ne vais pas pouvoir travailler, je vais avoir l'angoisse d'aller chercher du travail, je vais avoir l'angoisse de rentrer en relation avec quelqu'un, je vais avoir l'angoisse de fonder une famille, de peur de ne pas être à la hauteur. Donc, ça va développer plusieurs angoisses, oui.
courage qui est lié à ton enfance. Faites attention plutôt à ces 15 premiers mois où vous devez aller travailler, bien entendu, mais vous allez partir travailler et revenir. Ton enfant, il va se dire « Maman part, mais elle revient. » Donc, je ne vais pas développer un sentiment d'insécurité, un problème d'attachement ou un sentiment, une angoisse d'abandon parce que maman est là. Donc, vous, en tant que future maman, Inch'Allah, pendant les 15 premiers mois, votre enfant, vous devez être régulièrement avec lui. Il doit se sentir en sécurité. Je pense que l'abandon n'est pas lié qu'au couple. Il va se voir plus dans le couple, se manifester plus dans le couple. Mais quelqu'un qui a peur de l'abandon, c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme, entre guillemets, de l'abandon quand il était enfant. Il n'y a qu'une seule manière, c'est d'aller travailler sur son sentiment d'insécurité parce que c'est pas lui ou elle qui vous aime, qui va vous faire changer ce sentiment d'insécurité. Donc l'abandon de l'enfance, c'est le plus haut de la une personne adulte, te sentir abandonné par une autre personne adulte, c'est qu'il y a un souci plutôt au niveau de la sécurité qui relève à l'enfance. Alors, l'abandon, ce n'est pas une maladie psychique. L'abandon, c'est une angoisse. C'est une relation qui se passe au mieux et tellement bien que l'angoissé va partir parce qu'il est tellement bien qu'il trouve qu'il a trop peur que ça s'arrête de l'autre côté, donc lui, il arrête. Alors que nous étions bien, tout se passait bien, la relation était au mieux, au top, nous étions très amoureux, elle m'abandonne ou il m'abandonne, il s'en va, il ne comprend pas. Alors, ce n'est pas une personne toxique. Une personne toxique, c'est quelqu'un qui va venir vous manipuler. Invitez-la à être accompagnée, à être rassurée. Vous ne pourrez pas la rassurer parce que vous êtes l'objet d'amour. Elle a besoin d'être accompagnée par une personne neutre. C'est soit vous avez la possibilité d'être accompagnée par un spécialiste, soit vous n'avez pas cette possibilité, eh bien, vous travaillez avec les éléments que le gène va vous laisser dans votre site élite des élèves, des étudiants de l'ENCG, qui va vous permettre de faire un travail sur vous tout seul et va vous permettre d'avancer. Les demandes de preuves, les demandes affectives, tout le temps en demande. Et la personne va s'épuiser à répondre à ces demandes. Et certaines personnes vont partir parce qu'elles sont épuisées. Vous gagnez vraiment quand vous sentez que vous êtes en difficulté. Essayez d'être accompagné. Essayez de toutes les manières, vu la demande qu'il y a par rapport à cela, je vous promets que dans mon Instagram, je vais régulièrement développer des petites capsules qui vont parler de ça. On a la chance de s'engager avec une autre personne une autre fois alors que nous l'avons abandonné auparavant. Il est important de voir quelles sont les failles qui ont fait que j'ai abandonné cette personne alors que je l'aimais. Et travailler les failles narcissiques, c'est cette insécurité, cet attachement insécure qui va faire que je vais être en relation, mais elle va être de meilleure qualité. Je suis là et toujours là. Je suis Marie Bécon. Quand vous voulez, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle année et beaucoup de succès.